Bonjour à vous qui nous rejoignez, c'est un grand match qui nous attend aujourd'hui. Oui, un match de groupe dans ce prestigieux championnat du monde. Il y a tout le monde sur la pelouse évidemment, évidemment, on devrait se régaler. Et qui pourrait s'illustrer dans ce match. Comme finisseur, il ne pouvait pas mieux. En tout cas, la défense adverse, c'est ce qu'il lui reste à faire. Vous découvrez maintenant la composition d'équipe. Au niveau tactique, l'entraîneur a retenu le 3-4-3 pour ce match. L'attaque qui est finalement un hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Treviac. Kouyaté. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Après ce but. C'est vrai que dans le football moderne, Hervé, il y a de plus en plus de défenseurs qui n'hésitent pas à monter aux avant-postes pour faire la différence. Oui, la trajectoire était très indécise, c'est vrai. Hein. Et finalement, le ballon est passé sous la transversale. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Bonne récupération au milieu de terrain. Ziewkowski. Et la Pologne qui va récupérer le ballon avec cette touche. Lukasz Piszczek. Et le ballon qui change de camp. Kouyaté. Le ballon à l'adversaire là. Lamine Gassama. C'est une perte de balle. Et le tir. Ouais, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Corner. Allez, on dégage loin devant. Ah, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Ah oui, le centre. Ah, il dégage du point. Qui va effectuer la remise en jeu donc. Ziewkowski. Krikoviak. Piszczek. Joue la touche. Oh, que c'est bien joué, ça va peut-être aller au bout. Il sait qu'il a du soutien. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant.
Le ballon qui est parti. Ah, la parade du gardien. Un long ballon loin devant. Et on va pouvoir jouer à la touche. La passe est mal ajustée. Et c'est le face-à-face avec le gardien. Vers Lewandowski. Oh, il arrive. Oh, quel plongeon superbe. Les qui vont effectuer la touche. Ce sera un corner. Le ballon qui semble rebondir juste devant la ligne. Et c'est ce que pense l'arbitre en tout cas. Le gardien qui s'interpose sur ce corner. Ça demande. Et l'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Oh, c'est parti! Il s'en est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Ah, je pense qu'il s'en veut un peu là. Ziewkowski, il faut l'arrêter, le joueur polonais. Et la mi-temps vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Et ce sont les Polonais qui vont débuter cette seconde période. Trzykowiak, Rosicki. Allez, il faut centrer. Oh, c'est bien parti. Pas de problème pour le gardien de cette distance. Mais vous savez, Hervé, qu'il a déjà marqué de là. Ouais, il a eu raison de tenter sa chance. C'est pas faux. Ouais, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Lewandowski, Trzykowiak. Hors-jeu, oui, hors-jeu. Lamine Gassama. Kouyaté. Gueye. Oh, il la récupère. En tout cas, il faut. Le tir. Une très bonne sortie du gardien. Eh oui, il fallait y aller sur ce ballon. Lewandowski. Lamine Gassama. Trzykowiak. Piotr Zielinski. Oh, il lui suffit de tromper le gardien maintenant. De récupération au milieu de terrain. Rosicki. On devrait avoir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Et le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques, ou presque. Avec deux joueurs à la lutte. Trzykowiak. Et le ballon qui va changer de possession. Kouyaté. Lamine Gassama. Diafra Sakho. Un très bon tacle. Rosicki. Ouais, une, deux. Diafra Sakho. Ballon perdu.
Oh, ils sont nombreux. Oh, il ne faut pas gâcher ce ballon. Excellente intervention. Diafra Sakho. Fin de match très intéressante. On sent que ça peut basculer à tout moment. Diafra Sakho. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Et ça reflète bien hein, l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon. Bonne transmission du ballon. Oui, ça paraît facile hein, quand même. Lamine Gassama. Ouais, ce sera un coup franc. Comment vont-ils le jouer ? Et c'est repoussé par le mur. Attention, ils peuvent peut-être tuer le match sur ce corner. Et voilà le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0. Votre analyse, Franck, après cette victoire ? Bah bien sûr, on retient la victoire. Mais comment ne pas revenir sur leur énorme prestation défensive ? Un bloc qui n'a jamais été mis à défaut, ça c'est du solide.